faire des abdos pour avoir un ventre plat. Pourquoi ça ne suffit pas? Je suis Chérine du studio Kiné Pilates. Je suis coach de Pilates et de Eldoa. C'est l'été. Vous pensez abdominaux, des centaines d'abdominaux et beaucoup de planches? Est-ce que faire des abdominaux, ça donne vraiment le ventre plat? Les abdominaux que l'on pratique habituellement, type relevé de buste, et même voire planche, selon la façon dont on l'a fait, ce sont des abdominaux qu'on appelle hyperpressifs. Hyperpressif, ça veut dire quoi? Hyperpressif, ça veut dire qu'on met de la pression à chaque fois que l'on soulève le buste en poussant et en pressant ici finalement notre caisson pour aller pousser les organes vers le bas. On met une pression aussi sur le périnée, mais aussi sur les transverses. Et les transverses, comme vous pouvez le voir, ces fameux muscles profonds de la gaine abdominale sont vraiment comme un corset. À force de pousser vers le bas, on leur met une pression. Donc ces abdominaux peuvent être très néfastes avec le temps et très néfastes pour toutes les personnes qui ont beaucoup de douleurs au dos. Oubliez ça après l'accouchement, c'est vraiment une catastrophe comme type d'abdominaux. Alors vous allez me dire, ok, qu'est-ce que je dois faire? Alors, nous, en Pilates, on utilise ce qu'on appelle les abdominaux, on va dire, normopressifs. Avec une respiration très particulière. Vous avez le lien juste en haut pour aller justement pratiquer cette respiration très particulière du Pilates. On engage en premier le plancher pelvien, donc on remonte, j'allais dire la petite cerise, vers le haut. On remonte le ventre et surtout on fait des abdominaux en maintenant toujours à la fois cette remontée, mais cet allongement de la colonne vertébrale. Donc on étire en remontant le ventre et en contractant doucement, toujours doucement, le périnée. On protège ainsi le dos. On renforce les muscles profonds des transverses. Et les muscles des profonds des transverses n'ont aucun mouvement. Les transverses ne font pas de mouvement, ils ne permettent pas de mouvement. Ce sont des muscles que l'on contracte avec une respiration. Une respiration qui se fait par la bouche entrouverte jusqu'à plus d'air, en visualisant justement et en connectant la respiration, donc l'expulsion de l'air, en contractant doucement le périnée et en resserrant doucement la gaine, donc les transverses. Donc c'est plutôt un muscle auquel il faut penser et aller chercher une expulsion d'air douce, mais longue et profonde, tout en maintenant l'allongement. Ok, ça c'est la Pilates, puis comme je vous dis, vous pouvez cliquer sur le lien et aussi le lien en dessous sur mes principes de base. Mais aujourd'hui, j'ai envie de vous parler des abdominaux hypopressifs. On en parle beaucoup. Alors, les abdominaux hypopressifs, il y a plusieurs méthodes qui utilisent ce type d'abdominaux, dont la gym hypopressive du docteur Coffrier, qui est un Belge, mais il y a aussi la méthode de Gasquet, qui est très réputée, surtout pour toutes les femmes en postnatal ou en périnatalité d'ailleurs. De Gasquet, elle utilise ce qu'on appelle la fausse inspiration thoracique. Allez travailler en profondeur non seulement votre gaine abdominale mais aussi votre plancher pelvien. Elle va vraiment faire un massage et une remontée du plancher pelvien, donc du périnée. Donc excellente respiration ou fausse respiration en fait, donc fausse inspiration. Donc excellente pratique si vous venez d'accoucher par exemple, si vous avez des problèmes justement pour connecter votre plancher pelvien, si vous avez souvent le ventre justement qui a tendance à gonfler et à pousser vers le bas, et si vous avez une mauvaise posture aussi. Donc c'est une excellente pratique que je vous invite à faire avec moi, très simplement. Aujourd'hui je vous la propose allongée, mais vous pouvez la faire assise, debout, à quatre pattes et de temps en temps la faire dans les exercices que je propose d'ailleurs dans mon programme Défi Santé. Juste petite restriction pour ces abdominaux hypopressifs. 1. Vous ne devez pas être enceinte. Oui, c'est bon pour après l'accouchement, mais pas pendant que vous êtes enceinte. 2. Je vous invite à ne pas faire cette respiration ou cette pratique après avoir mangé, parce qu'on est en train de travailler sur la remontée des organes et des massages, donc no way. Aussi, si vous faites de l'hypertension artérielle, elle n'est pas recommandée. Et si vous avez des problèmes de migraine, mais des problèmes de migraine, je dirais, chroniques. Ok ? Sinon, joignez-vous à moi, vous avez juste besoin de vous allonger sur le dos.
Allongez confortablement sur le dos. Le dos reste au neutre. Respirez naturellement en gonflant le ventre et expulsez l'air en laissant les choses complètement se détendre. Videz-vous au complet, bouchez votre nez, votre bouche et allez comme inspirer faussement en aspirant le ventre au maximum. Quand vous n'en pouvez plus, relâchez, prenez une longue inspiration et expirez normalement. À nouveau inspirez, laissez votre ventre se gonfler, expirez, videz-vous au complet, puis bouchez le nez et la bouche, aspirez le ventre dans une fausse inspiration sans prendre de l'air. Et quand vous sentez qu'il est nécessaire de prendre l'air, vous relâchez et vous prenez l'air avec le nez et vous relâchez en vous détendant. À nouveau, inspirez. Expirez, videz-vous de votre air. Bloquez les narines et la bouche. Aspirez le ventre au maximum. Quand vous sentez que vous n'en pouvez plus, lâchez et retrouvez une inspiration normale et une expiration naturelle. Inspirez. Expirez. Videz-vous de votre air, bloquez la narine, la bouche, aspirez le ventre au maximum, sans basculer le bassin, mais on va vraiment aller chercher à aspirer dans l'intérieur sans prendre de l'air. Et au moment où on n'en peut plus, on relâche. On va essayer de le faire sans bloquer la narine avec la main. Faites bien attention de ne pas prendre d'air. Donc on inspire naturellement. On expire jusqu'à plus d'air, puis on fait une fausse inspiration en avalant le ventre. Au moment où on n'en peut plus, on inspire et dans l'expiration, on relâche. On le fait encore une fois. Prenez le temps d'inspirer naturellement. Expulsez l'air naturellement en laissant vous détendre. Quand vous n'avez plus d'air, vous allez faire une fausse inspiration en avalant le ventre sans prendre d'air. Et vous inspirez. Et enfin, vous expirez, vous relâchez. Good. Je vous conseille de faire cette pratique à raison de 8 à 10 cycles. N'oubliez pas de respirer à chaque fois normalement pour reprendre. Prenez soin de vous, bougez, c'est la santé et à bientôt.